Je m'appelle Sabrina Ouazani, je suis actrice, bébé réalisatrice parce que j'ai réalisé un court-métrage, et voilà, tout simplement. J'étais un petit garçon manqué parce que j'étais très proche de mon grand frère Jamel, avec qui on a seulement 2 ans de différence, donc on était très 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 fusionnels, vraiment comme des jumeaux. Donc je voulais faire tout ce qu'il faisait. Jamel, je voulais faire. Il a pris allemand en première langue, j'ai fait allemand, il a fait de la piscine, je fais de la piscine, il a fait de la boxe, je fais de la boxe, il a fait du judo, je fais du judo. Donc j'étais un petit garçon manqué, mais j'étais surtout on pensait que j'étais hyper active. Quand j'étais petite, quand j'étais bébé même. Et donc mes parents m'ont mis très très tôt au sport. Donc beaucoup d'énergie. Sur mes bulletins, il y avait pas mal écrit, mais ça c'était un peu plus tard encore, bavarde et insolente. Voilà celle que j'étais. Mes deux vraies vocations, c'était le journalisme ou le sport. Être soit grande sportive, mais bon, j'ai compris après que ça n'allait pas être possible, mais en tout cas être prof de sport ou quelque chose comme ça, faire du sport, je voulais faire du sport. Et mais journaliste surtout, ouais, c'est ça qui me plaisait, donc j'essaie d'aller le plus loin possible dans ce processus avec un bac économique et social et une licence d'histoire. Et voilà, j'ai toujours aimé écrire, voilà, je voulais faire ça. C'est la riche, elle doit faire la pauvre. Et je comprends pourquoi. À peine elle arrive, elle fait des gestes de riche. Bah, je viens de commencer, il y a des moments. Dans ce cas-là, il y a deux riches. La scène, après on verra. Qui dit que je voulais pas faire la pauvre un peu plus tard? Il y a eu l'esquive. Donc c'est en 2002. J'ai ma maman, en fait, qui emmène ma petite sœur Sarah au parc de la Courneuve. C'était les vacances d'été. Pour passer la journée. Et à l'arrêt du tramway, elle a trouvé une affiche pour un casting sauvage où elle recherchait des jeunes entre 14 et 18, il me semble. J'en avais 13 et mon frère 15, du coup. Et ma mère, elle est rentrée, elle nous a dit « Oh, ça vous dit, ça, passer un casting ?» Mais vraiment comme une activité. C'est l'été, on ne peut pas partir en vacances. Donc voilà, il y avait le parc de la Courneuve et une activité, c'est « Hey, il y a un casting, nouvelle activité !» Et on s'est dit « Ouais, bah ouais, pourquoi pas, ça va nous amuser, nous occuper. » Et me voici, me voilà, à Bobigny, en train de passer le casting pour ce qui va être le premier film de ma vie. Tellement marquant, la rencontre avec Abdelatif Kechiche, c'est... Abdel, c'est mon papa du cinéma, c'est mon premier réalisateur, c'est le premier qui a posé ses yeux sur moi et qui a cru en moi, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai fait 2 films avec lui. Je sais pas, je me rendais pas totalement compte quand même de ce qui m'arrive, enfin de ce que je faisais. Kechiche, je me rappelle de ses directions, je me rappelle de quand il m'a engueulé aussi parce que je faisais des bêtises et que je dessinais au tableau et que j'étais dans ma robe de Marivaux et que c'était les premières fois. Hein. Enfin, j'apprenais le métier, donc moi, je me laisse avec toute une classe, je faisais des bêtises, je faisais des trucs, je faisais pendant entre 2 prises et il est arrivé, il m'a vu avec la craie, les mains pleines de craie, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? T'as un robe, mais t'es malade, mais il y a des costumières, mais comment on fait? Si là tu te tâches, t'es pas raccord. Je me dis raccord, je comprenais pas. Donc il m'a appris tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, très très longtemps, de me dire j'ai ma place dans le cinéma, j'ai ma place, je suis actrice, voilà, c'est mon métier. C'est pour ça que j'ai continué les études aussi longtemps, pour avoir des bagages solides. C'est pour ça que j'ai été jusqu'à l'université et avoir cette possibilité pour me dire je peux revenir à n'importe quel âge, il y aura toujours ma place sur les bancs de la fac, entre guillemets. Donc si jamais le cinéma ça s'arrête, je peux retourner, je peux avoir truc, je pourrais faire du journalisme, je pourrais peut-être être à ta place, tu vois. Donc j'ai toujours ça dans ma tête parce que j'arrive toujours pas à y croire. Et même quand on se faisait des petits restos en amoureux, elle était vénère de moi. Et moi, je suis une tes frites, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère, touche à une de mes tes frites, je me coupe de watts, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Regarde. J'ai commencé moi avec le cinéma d'auteur dans des films, pas dans des comédies tout simplement, je faisais pas de comédie, je suis arrivée à la comédie un peu avec De l'autre côté du périph, Mohamed Dubois, au théâtre, Amour sur place ou emporté, et puis après il y a eu Pattaya. Ça a été mortel parce que travailler avec Franck Gastambide qui a une liberté dans sa création, dans sa vision, dans les curseurs qu'on peut pousser, le côté presque cartoonesque vers où on peut tendre avec lui, c'est hyper salvateur. Aller dans ce registre à ce point, je ne pouvais le faire qu'avec lui, on va dire, dans le sens où il fallait qu'il y ait une confiance
une confiance en, quand il me dit vas-y, mets-moi une droite. Enfin, tu vois que ça, enfin, on part sur les droites avec la frite et d'autres choses. Ou c'est évidemment pas ce que j'ai forcément l'habitude de faire, mais c'était tellement kiffant. J'y suis allée un peu aveuglément. J'ai eu confiance en lui. Je suis allée. Et même moi, j'étais surprise de ce que ça a donné. Mais je me suis éclatée à faire Pattaya, à aller tourner là-bas. Et voilà, c'est quelques jours avec cette équipe, c'était cool. Ouais. 2018, elle n'a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. C'était ma première vraie série avec un rôle principal, accompagné d'Isita Enro, Joséphine Drahi. C'était génial. C'était pouvoir le faire évoluer, créer, composer ce rôle pendant pratiquement 4 années, 3 saisons et 1 épisode de confinement. C'est aussi un autre travail, une autre manière de faire, une autre manière de concevoir le rôle, de se projeter dans le rôle. Parce qu'on se dit qu'il faut en garder sous la pédale. Alors après, il y a évidemment l'écriture et qui nous permet d'eux. Mais nous aussi, il ne faut pas tout dévoiler. Donc c'est la manière de travailler sur une série, surtout, c'est ça qui m'a... En tout cas, c'est une autre manière de... Ça m'a enrichi à d'autres endroits et ouais, c'était trop bien à faire. Autant Zora adorait sa vie, autant lui détestait la sienne. T'as décroché 2 fois, c'est le même numéro. Prends mon téléphone. J'ai une conjonctivite. L'histoire, interpréter Zora, ouais, c'était un rôle, c'est un rôle important. Important pour moi, c'est un cadeau. En vrai, ouais, c'est un cadeau. Un cadeau de ma brouille. La rencontre avec lui a été folle. Lui, les raisons pour lesquelles il a fait le film, cette volonté de vouloir faire un Rocky pour sa fille, tout en rendant hommage à sa maman. Quand il m'a dit c'est l'histoire de mes parents, enfin celle que j'aurais voulu raconter à mes enfants, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai demandé à Mabrouk très vite à rencontrer un maître kung-fu. Lui me disait, ben, on va avoir des cascadeurs, des chorégraphes et tout, c'est un chorégraphe et tout. Je dis, mais oui, mais moi je veux rencontrer un maître kung-fu, je veux passer par ce par quoi passe Zora, je veux traverser ce qu'elle traverse, je veux vraiment apprendre le kung-fu. Et il s'est d'abord moqué de moi en me disant, non, mais tu crois que De Niro, quand il a fait Taxi Driver, il a demandé à passer sa licence. Et je sais pas, mais moi j'aimerais rencontrer un maître kung-fu. Avec Ramzi, on s'appelait en Zoom, on disait, ah, tac. Tac, t'as vu et tout ça, il me disait, ah ouais, t'as appris ça, vas-y, ok, je vais bosser demain. Et le lendemain, il arrivait, il me faisait, tac, tac, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et on se challengeait, donc c'était génial.